Bienvenue au salon du paranormal et du bien-être. Je vous montre ça en image. Très sympa, beaucoup de stands, j'en ai pris que quelques-uns. Il y a des stands qui ne voulaient pas être filmés, il y en a d'autres qui se laissent bien filmer et j'ai été où cela m'attirait. Je vais voir les youtubeurs là, pour les filmer un peu, on a déjà pris quelques photos. Elenium, David de Projet 51 et Indiana Fraise bien sûr. Thank you.
d'habitude. Mais bon, bref. Du coup, je suppose qu'il y a deux solutions. Si vous êtes ici, c'est soit vous me connaissez et vous voulez en savoir plus, ben, soit vous ne me connaissez pas et à ce moment-là, il va falloir que je me présente. Alors, pour les gens qui sont dans le deuxième cas, des cris, ce qui a dû renforcer les rumeurs de hantise. Voilà, donc un lieu assez fascinant, assez méconnu. Vous avez vu, il y a des lieux que j'ai fréquentés, que je suis allé expérimenter, qui sont plutôt connus. Celui-là, pas du tout. Et c'était une vraie expérience. Je vous en parlais parce que c'est ce que j'aime faire, c'est aller me projeter dans des lieux très loin, dans une autre culture, et voir ce qui se passe. Alors, vous l'avez vu, c'est pas passé grand-chose.